la chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier qui viendra nous parler aujourd'hui d'un site qui cartonne, un site qui vous permet de trouver un médecin et surtout de vous faire soigner en ligne par Internet. Ça fait des années qu'on en parle, ça devient une réalité. Enfin le labo comme d'habitude, regardez ce qui est sur la table ici même. Voilà, nous l'avons reçu au labo 01Net, l'un des smartphones les plus attendus du moment, le Galaxy S7 et le Galaxy S7 Edge qui est dans cette boîte. Alors bon, on n'a pas encore tous les tests bien évidemment, mais Stéphanie Molinier a commencé à se pencher sur la question. Elle viendra nous donner son premier ressenti et puis on parlera également d'un autre smartphone, d'une autre marque qui a une particularité. Vous n'aurez plus besoin de le recharger pendant trois jours. Voilà, c'est 01Live Hebdo, c'est le numéro 91. C'est tout de suite, c'est en direct, vous pouvez interagir, vous le savez, Twitter, hashtag 01Live, vos questions, vos commentaires, c'est parti. Et on va commencer comme chaque semaine par la question 01Net euh, Orange, euh, petit sondage que l'on vous soumet comme d'habitude euh, lié à l'actualité. Alors cette semaine, eh c'est la réalité virtuelle, réalité virtuelle, réalité augmentée. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que ça va exploser en 2016 Donnez-nous votre avis, c'est très simple, vous allez sur www.01nettv.com et vous répondez au petit sondage, on fera le point comme d'habitude en cours de live. A mes côtés, mes euh, partenaires, Emric Siméon, salut Emric. De la rédaction de01net.com, à qui on donnera la parole dans un instant, et Raphaël Grabli. Bonjour Ça va Raphaël. Ça va très bien, merci. Bon, alors je le disais, euh, cette étonnante hein, qui nous vient des États-Unis. Euh, les Google Cars, on le sait, euh, commencent à se répandre. Ouais. Hein, aux États-Unis, il y en a de plus en plus. Il y a déjà eu plusieurs accidents dans lesquels elles étaient impliquées. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait des millions de kilomètres hein, depuis ouais. 2009. Il y a eu beaucoup de tests de la Google Car. Il y a déjà eu 17 accidents. Ouais, sauf que, que... Bon, c'est déjà relativement oui, peu par rapport. Il y a eu beaucoup 3, beaucoup 3 millions en fait. de kilomètres, etc. Hum. Donc c'est relativement peu. Le problème, c'est que là, le ce 14 février, 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 février dernier, il y a eu un accident où la Google Car un était responsable. Ouais. Et ça, c'est une vraie première pour Google. Ils sont bien embêtés parce qu'ils ne peuvent plus dire que leur voiture autonome est sûre à 100 Maintenant, c'est sûr à 99 fait rentrer dedans par Exactement, avant c'était toujours de la faute de quelqu'un d'autre, donc mmh. soit d'un soit d'un automobiliste euh, extérieur, etc., soit de la personne, parce que vous savez, il y a toujours quelqu'un qui est avec, euh, embarqué dans la voiture, ah oui, évidemment. Il y a toujours quand même un quelqu'un. Voilà, y a, un la voiture n'est jamais toute seule. Et ce là, moment. cette fois-ci, c'est vraiment le logiciel bah, qui a bugué, enfin qui n'a pas bugué, mais qui a pris une mauvaise décision. Alors qu'est-ce qui s'est passé Alors c'est vraiment simple en plus, la voiture était sur une grande voie, il y a eu un espèce de talus, un sac de sable qui a gêné sa course. Ouais. Résultat, elle devait bifurquer, sauf que derrière, il y avait un bus qui arrivait. Le logiciel a interprété le comportement du bus en pensant que le bus allait freiner pour il gentiment... A voilà. Il ah a oui. quand même vu le bus. Il a, hein. non, il a bien détecté, détecté le bus, pardon. Mm -hmm. Il a anticipé le fait que le chauffeur du bus allait être un petit peu cordial et allait, allait laisser passer la voiture. Sauf que le problème, c'est que le chauffeur s'est pas arrêté. Ouais. Donc l'accident est pas très grave, parce que bon, la voiture était quasiment à l'arrêt, elle était à 3 km heure. C'est ça l'avantage le... des Google Cars, c'est qu'elle roule tout doucement. Exactement. Par <laughs> contre, le chauffeur du bus accélère à 25 km heure. Donc il y a eu un accident, et apparemment, donc c'est vraiment ce coup-là. Google l'a admis, c'est le logiciel. Mmh. qui a pris une mauvaise décision. Mais alors c'est étonnant parce que euh, jusqu'à présent le problème c'est qu'en fait la Google Car conduisait trop bien. Et là on a l'impression qu'elle ben, est un petit peu euh, sortie des clous d'une certaine manière. Exactement. Et en elle... plus la, la justification de Google est un peu bizarre. Ils disent voilà pour améliorer ça on va implémenter dans le logiciel le fait que les gros véhicules et que les bus sont moins cordiaux que les autres et, et, et s'arrêtent moins facilement. Ah oui. Voilà, donc finalement, c'est un peu l'équivalent chez l'être humain de. Je pensais que c'est passé, mais enfin, je pensais que ça passait, mais c'est pas passé. Sauf que venant d'un logiciel, c'est un peu bizarre. <laughs> donc euh, bon, voilà, c'est le premier vrai euh, bug entre guillemets, voilà, qui ouais. vient. Euh, bon, bah voilà. Va. En même temps, on le sait, tout ça, ça permet euh, à Google puis aux autres, hein, tous les tous les constructeurs qui travaillent là-dessus, d'améliorer encore les choses. Voilà, exactement. Donc, et notamment l'intelligence artificielle. Exactement. Mmh. Donc euh, on espère que ça va être amélioré, évidemment. Ça reste, voilà, une c'est fiable à 99,9. Ouais pas s'inquiéter, il faut pas paniquer, il faut pas paniquer mais pour Google c'est embêtant parce que ça crée un précédent donc ils ont investi quand même des millions et des millions ouais. de dollars voire plus dans la Google Car donc c'est déjà voilà, ça, ça crée un précédent, c'est pas très agréable ouais. pour Google de dire bon bah c'est pas parfait la voiture autonome, on pourra peut-être pas non plus arriver dans sa voiture, fermer les yeux et dormir à 130 km sur l'autoroute. Bah pour le consommateur, ça fait bizarre. On dit que ouais. ça peut peut-être... Voilà, si en termes d'image de marque. En termes d'image de marque, exactement. C'est un petit problème en termes d'image de Parce marque. Parce qu'en même temps, une expérimentation, s'il n'y a pas de pain, bah, c'est si fait, euh... fait pour expérimenter. Voilà, voilà. exactement. Donc, bon. euh... Bon, bah donc, euh, à suivre, hein, on va à voir suivre. ce qui se passera dans, dans les mois euh, à venir. Merci beaucoup Raphaël pour ce coup d'œil sur cette euh, actu qui évidemment ne nous avait pas échappé, nous a, fait, euh, nous a fait tiquer. Alors, de la réalité bien tangible des voitures, on va passer à la réalité virtuelle et augmentée. Avec Emric, parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment, euh, et notamment bah, l'arrivée d'un petit... Du, du, on va dire... Il nous a tapé dans l'œil ce masque, c'est presque notre, déjà notre chouchou. Mmh. Le HTC Vive, ça y est, on sait quand il arrive et on sait combien il va coûter, y compris en France. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc il euh, y avait déjà beaucoup, beaucoup d'informations qui avaient fuité ces derniers mois. Euh, on parlait de, de, de prix très élevés, puis finalement de prix moins élevés que prévu, mais sans notamment donner vraiment une, une valeur réelle, etc. Mmh. Euh, quand l'Oculus est arrivé au CES, euh, au prix de 700 euros hein, environ, là, on s'est dit oulala, mais qu'est-ce que va faire HTC parce qu'ils euh, ont dit qu'ils seraient plus cher alors mais plus cher dans quelle dans quelle proportion ouais. et ça y est on le sait enfin depuis le 29 février dernier on sait enfin que euh, le nouveau jouet de HTC donc le Vive va mmh. coûter la bagatelle de 900 euros voilà <laughs> alors c est, c est, ce qui est assez rigolo c'est que c'est 900 euros en France 900 euros dans quelques pays d'Europe et puis en fonction des monnaies bien sûr le prix euh, fluctue ouais. donc par exemple au Japon il est quasiment à 1000 euros et puis il est un peu moins cher ailleurs donc bon c'est euh, voilà c il avait été annoncé à 800 dollars au Mobile World Congress voilà mais c'était aux états unis c'était le ça. prix hors taxe Voilà, c'était voilà c'était bah, comme, comme généralement euh, même pour les prix de, de certains smartphones dont on pas eh oui. le nom. Mais effectivement, quand on donne un prix, généralement, c'est le prix hors taxe ouais. aux états unis donc euh, voilà euh, Alors, finalement, 900 euros, ça paraît énorme. Et euh, d'après euh, les, les développeurs chez Vive, enfin mmh. en tout cas chez HTC, il euh, y en a quand même plus de 15 000 qui ont été écoulés en moins de 10 minutes. Ouf. Voilà. donc ce qui est quand même pas mal, donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même un certain engouement pour le matériel ouais. qui, comme, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, est sans doute l'un de nos chouchous et qui pourtant n'est pas euh, le moins contraignant en termes d'installation. oui, parce que c'est celui qui va demander le plus de, de, quoi, de, matériel, de matériel, de de place surtout, de place parce aussi. que voilà, faut fixer des capteurs au mur, il euh, y a deux manettes. Il faut dédier une euh, pièce. Voilà, ah, tout ça. à fait, et puis surtout, il faut avoir une machine dédiée aussi à ça, et on l'oublie un peu trop souvent, mais c'est 900 euros donc, et okay. un PC à plus de 1000 euros. D'accord, donc on on double prix, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. ça, minimum mmh. 2000 euros. C'est ça, minimum 2000 euros. Alors, bien sûr, ce n'est pas qu'un masque de, de, de réalité virtuelle. Hein. HTC voit ça comme un peu comme Microsoft mmh. et son HoloLens, euh, voilà, dont, 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 partira, dont on, pardon, on parlera oui, tout oui, à l'heure. Mais mmh. c'est une plateforme à part entière, c'est à dire qu'on ne fait pas forcément que jouer bien avec HTC Vive. Voilà. Alors là, on voit à l'écran, il y a notamment l'une des, des, des expériences VR hein, qui va être offerte euh, avec les précommandes du casque Vive. Donc c'est un comment dire une expérience s'appelle Job Simulator en gros est dans un jeu un peu fou, dans un bureau un peu fou dans lequel on peut tout tout balancer <laughs> on peut se servir de la tasse de café <laughs> faire bugger l'ordinateur enfin bref ça fait du bien ça mais ce sera fou, vraiment hein. un jeu avec un vraiment... c'est plus on va dire c'est le... juste une démo alors c'est plus une expérience dans le sens où on va se familiariser finalement avec tout ce qui constitue euh, la manette, c'est-à-dire euh, comment est-ce que je me sers de la manette pour... Ouais, c'est presque un tutoriel. Voilà, c'est ça. Prendre mmh. certains objets, interagir avec eux, etc. Après, on va avoir un jeu un peu plus euh, bourrin euh, ouais. qui va être euh, Arizona Sunshine, donc qui est, euh, qui est un jeu de, de, de tir de zombies. Alors, euh, qui pour le coup, lui n'est pas fourni avec le HTC Vive. Hein, les, ah, il faudra l'acheter les... en plus Il faudra l'acheter en plus, bien sûr, Ouf. parce que bien sûr... C'est ça aussi qu'on nous dit pas aux... nécessairement, c'est que tous les jeux ne sont pas optimisés. Il y en a certains qui vont être spécialement faits pour la VR, mm -hmm. d'autres qui vont être adaptés à la VR. Euh, notamment un jeu qui s'appelle Elite Dangerous, qui est assez connu, mais euh, de, de des fans de simulation spatiale, mm -hmm. qui lui est totalement optimisé pour la VR. Il y a des mm -hmm. démos qui tournent sur Internet euh, avec l'Oculus, mais aussi avec le Vive. Et ça marche très bien, et surtout c'est euh, très probant. On a vraiment l'impression d'être dans son vaisseau spatial, en train de <laughs> train de piloter voilà, son espèce ouais, de casse à savon dans les étoiles. Voilà, voilà, ça va être génial, ça va être hyper Mais... immersif. Ouais, l'expérience avec le htc Vive c'est exceptionnel moi j'ai trouvé ouais. ça exceptionnel personnellement c'est ah, oui, ah, oui, voilà, ouais. vraiment est le plus immersif complètement, le celui ben, complètement. Avec la définition est la meilleure exactement il ouais. n'y a, a aucune aucun effet nausé parce qu'il n'y a aucune latence en fait ouais, donc ouais, c'est ouais. vraiment génial le jeu de zombie il est très simple ouais. ce serait ouais. sur console ce serait un jeu très moyen mais là dedans sur le Vive on pourrait y jouer euh, des ouais, heures quoi, ça quoi, veut pas dire que les autres sont pas intéressants non même hein, le playstation vr qui sera le moins cher il normalement certaines expériences normalement qui devrait qui devrait normalement j'en sais rien pour l'instant donc pour finir rapidement aujourd'hui euh, avec le htc vive euh, il y a 124 jeux répertoriés compatibles alors ça, ça va de tout, hein. c'est mmh. de l'expérience comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire typiquement, il euh, y en a une qui s'appelle Everest où on est euh, dans la montagne et puis on, on est en train de ouais. gravir des sommets euh, on, on, on s'accroche à des échelles on passe sur des ponts en échelle de corde c'est assez, assez impressionnant ouais. et puis après on aura des vrais jeux. Et tout ça, c'est en train de se mettre gentiment en place. Bien ça sûr. arrive euh, les développeurs travaillent avec des gens comme Intel, avec NVIDIA avec AMD, histoire que euh, tout le monde enfin que les développeurs puissent avoir des outils nécessaires pour adapter l'existant à la VR ou ne développer que pour la VR. Il mmh, y a Yoni qui nous demande si on peut imaginer un GTA GTA 5 en réalité virtuelle. Alors <laughs> faut courir une rumeur. On pourrait courir. Il faudra jouer debout. Il faudra des ça. accessoires ouais. en plus pour jouer ça. debout. Oui, même. alors c'est ce qu'on n'a pas dit, mais par rapport à un oculus, typiquement, euh, ouais. le Vive, euh, faut jouer debout la plupart du temps. Alors que l'Oculus mmh. a quand même été pensé pour être joué assis, ouais. avec une manette, etc. On en, on, avec une manette, bon là, en, en, en l'occurrence, il est livré l'oculus euh, avec une manette de Xbox 360 donc ça reste très statique ouais, comme expérience, ouais. c'est une expérience plus visuelle que totalement immersive Mais Aymeric, dans le sens je joue avec mon corps. On va voilà. pas se mentir, euh, même s'il y a eu un nombre de précommandes assez impressionnant, oui. euh, on peut penser que ce type de, de, de produit, notamment le Vive, ouais. va plutôt être réservé à je sais pas des salles d'arcade ou des... Est-ce que vraiment il y a beaucoup de particuliers qui euh, euh, qui vont s'offrir ça alors, la, la question, malheureusement, je ne pourrais pas répondre. Personnellement, mmh. j'aimerais bien ouais. pouvoir euh, en offrir un, enfin, euh, que, que tout le monde puisse en offrir un, parce que je pense que c'est assez intéressant. Effectivement, je pense, que dans un premier temps, c'est des professionnels, effectivement, type salle d'arcade, mmh. ou alors des, des showrooms de démos, de jeux, etc., qui vont venir euh, s'équiper. Après, bien sûr, il va y avoir, je pense, aussi des particuliers très chanceux qui vont pouvoir le faire, ça, mmh. c'est certain. Euh, et puis, on n'en bon, est qu'au balbutiement, ça commence. Donc, on peut espérer, on peut imaginer que. Voilà, la démocratisation de ce genre d'équipement puisse arriver dans les années mmh. à venir parce qu'on arrivera à fabriquer les écrans de façon euh, plus rapide, moins chère, etc. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de jouer qui arrive. Ce n'est pas la future façon de jouer, c'est une, une nouvelle plus. façon de jouer. Ça mmh, fait bon, ben bah voilà, ça nous continue de nous faire rêver. Euh, je pense qu'on va en parler tout au long de cette année. Oh oui. Ça, c'est la réalité virtuelle. Puis vous le savez, il y a alors euh, une chose qui est un petit peu dé dérivée. Enfin, c'est encore autre chose, la réalité augmentée. Oui. Euh, Raphaël, avec oh. bien sûr le, 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 le Lens. masque HoloLens. Donc ça, c'est Microsoft. Donc la réalité ah. augmentée, en fait, ça se base sur la réalité. La seule mmh. chose, c'est qu'on a en plus des hologrammes qui arrivent. Donc Microsoft qui a annoncé euh, il y a quelques jours lancer le programme, la, la livraison pour les développeurs, ouais. c'est 3000 dollars donc c'est pas donné. Euh, et il y a un concurrent aussi qui s'appelle Meta et qui lance un Meta 2. Mm -hmm. La différence c'est que là ça coûte plutôt 1000 dollars que 3000 donc ah, c'est quand même plus intéressant. bien moins cher. Ouais. Après il y a une différence notable quand même c'est que la machine n'est pas intégrée au casque. Donc comme le Vive en fait il faut le relier à un ordinateur. D'accord. Contrairement à Microsoft. Donc il faut ajouter le prix de l'ordinateur. Exactement, etc. Microsoft, c'est une vraie machine Windows ouais. 10, donc on a tout qui est intégré, c'est assez différent. Mais surtout, le Meta 2, ce qui est intéressant, c'est l'angle, le champ de vision, qui est assez important, c'est 90 degrés. Et ceux qui ont testé le HoloLens, c'était un peu la limite et euh, voilà, la, le point négatif, c'était que le champ de vision était un petit peu réduit. Et mmh. pour le Meta 2, c'est du 90 degrés. La réalité virtuelle, c'est 110 degrés, c'est à peu près équivalent à notre champ de vision humain. Donc 90 degrés, on commence à s'approcher quand même d'une expérience très immersive. Mmh. Donc on sent qu'il va y avoir aussi tout un débat, enfin une bataille en tout cas sur la réalité augmentée, qui, où il y a plus d'applications peut-être professionnelles, parce qu'il y a mmh. des projets en 3D, on peut manipuler, si on est ingénieur euh, mmh. automobile, on crée des moteurs, etc. Pour le jeu, euh, voilà, c'est plus à démontrer, je trouve, que le Vive, où là ça paraît plus évident. Mais voilà, il commence à y avoir la vraie bataille de la, de la réalité augmentée qui se lance aussi là début 2016, mmh. donc entre Microsoft, Meta. Oui, puis j'ai même lu que Intel euh, préparerait, serait également oui, euh, peut-être a... en train de préparer un, un masque. Enfin, ça oui, serait les... euh, bon. aussi Asus, avec voilà. CES, euh, qui préparait Exactement. un ouais. espèce de low -lens like. Euh, voilà. On ne savait pas trop quelle tête ça allait avoir, ni quelle forme ça allait avoir, ouais. à quel prix, quand, etc. A priori, il euh, y a des balbutiements. cest euh, est-ce que je vais plutôt sur la réalité virtuelle, est-ce que je vais plutôt sur la ouais. réalité hum. augmentée Ou les deux à la fois. Voilà, les deux mondes se regardent un peu, ils sont très complémentaires finalement. C'est euh, ouais. pas franchement la même expérience. Ouais. Mais voilà, tout le monde se regarde, j'y vais, j'y vais pas, euh, puis surtout à quel prix, parce que, ouais, et, ouais. voilà, il ya aussi cette contrainte-là, la contrainte de, de fabriquer l'équipement coûte encore aujourd'hui très cher, et euh, que ce soit l'HoloLens, donc euh, voilà, 3000 dollars, soit euh, 3 Vive, hein, quand même, euh, ouais voilà, ouais, enfin, pour, ouais, euh, euh, voilà à peu près, c'est... C'est un, un et, coup de départ. Voilà, évidemment on parle vraiment des, 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 des masques, mais il, la réalité virtuelle, la réalité augmentée peut prendre aussi d'autres formes et tout simplement sur une tablette, sur un smartphone. Oui. Il y a une, hum une start-up française qui s'appelle Augment. Euh, oui, oui, Augment, voilà. oui qui, a levé, qui vient de lever 4 qui millions d'euros de de euh, ouais, récemment les, dans les rien. dernières heures. Alors euh, là, ils travaillent avec des euh, voilà, grandes marques. C'est ça, ce sont des applications euh, professionnelles. Euh, hein, par pour le, exemple, L'Oréal. C'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Pour mettre au point des, des, des produits ou les placer dans des magasins. Exactement, ça, ça fait partie du spectre. mais Enfin, faut quand même se rappeler que la grande expérience de réalité augmentée, qui était plutôt un échec, ça reste les Google Glass. C'est la première, le premier essai dans la réalité oui. augmentée. Bon, pour l'instant, c'était pas un succès. Oui. Voilà. Mmh. Mais après, évidemment, c'est un premier pas. Et il faut voir dans quelle direction on va aller. Super, sûr. très bien. Croyez-vous au succès de la réalité augmentée C'est la question 01net Orange du jour. Ben voici une première tendance. C'est notre sondage. Donc euh, oui, oui, j'y crois. Pour tout le monde, à 48%. Oui, mais uniquement pour les pros, à 32%. Non, 20%. Donc vous y croyez à mort, comme nous, à la réalité virtuelle. Enfin, la réalité augmentée. Euh, ce qui prouve qu'il y a quand même certainement une, une belle attente autour de cette innovation, même si euh, c'est véritablement un territoire vierge qui reste à conquérir ouais. hein, complètement. Il est 18h17 sur ZeroNet TV. Vous êtes dans 01 live Hebdo, et tout de suite c'est Delphine Sabatier pour le zoom actu. Merci. Bonsoir Delphine. Bonsoir Jérôme. Ça va bien On recoiffe. Oui. <laughs> Voilà, on fait un coucou à François Sorel s'il si nous regarde. Et eh oui, quel vénard. Quel petit vénard, il est, il est au soleil. On ouais. peut le dire ça. Hein. Ouais. Mais vous, vous avez encore plus de chance vous qui nous regardez parce que regardez, je le rappelle, le Galaxy S7 Edge est là dans sa boîte et on va faire le déballage ensemble tout à l'heure avec Stéphanie Molinier. Mais avant cela, wow. Delphine. Oui. Mais avant cela, euh, je dirais que c'est une chose dont on parle depuis presque le début d'Internet. Consulter le médecin par Internet. Depuis son ordinateur, c'est en train de devenir une réalité en France, puisque depuis quelques jours, un site propose aux internautes euh, eh d'avoir de, de quasiment des consultations en ligne. Qu comment ça fonctionne Alors effectivement, on l'attend depuis euh, très longtemps. On ne parle pas encore de consultation, c'est vraiment un avis médical. Mais presque instantané. Hein. C'est mieux que de se dire, ah, j'ai un cousin médecin. Là, euh, <laughs> en Surtout un quart si d'heure, si vous avez une question, il y a un médecin, un vrai docteur. Qui vous répond en ligne. Donc, le site qui s'est lancé récemment, il s'appelle mesdocteurs.com. C'est assez facile de s'en souvenir. Et il va euh, faire appel à des généralistes et des spécialistes. Vous allez voir, il y en a euh, plutôt euh, pas mal. On leur a posé la question d'ailleurs de euh, comment ils faisaient pour recruter. La manière de s'en servir, c'est vraiment très simple. Hein. Il y a mm -hmm. un site internet et puis il y a une application. Donc, on va, on pose sa question. C'est totalement anonyme. Ouais. Et dans euh, les minutes qui suivent. En fonction du prix qu'on a payé, eh bien, on a une réponse. Mais euh, bon, est-ce que vraiment on peut faire confiance à, à cette plateforme Alors, on leur a posé la question. Comment vous faites déjà pour trouver des vrais médecins oui sont ils sont plutôt débordés en tout cas moi quand je vais chez mon médecin il n'a jamais le temps ouais. euh, donc en fait il y a, y a quand même des médecins qui ont le temps puisque ce sont des jeunes praticiens principalement qui n'ont pas encore tout à fait toute leur clientèle beaucoup ah. de femmes médecins aussi qui travaillent à temps partiel mmh. et qui apprécient de pouvoir euh, travailler de chez elles de cette façon euh, grâce à internet et puis il y a pas mal de docteurs en fin d'exercice qui ah oui. eux voilà sont plus tellement au cabinet et sont ravis de pouvoir continuer euh, à pratiquer bon. Donc en en des conseils, ou en voilà, et qui, qui sont ça, sans des doute parfois qui les sont meilleurs parce qu'ils ont une très grande expérience, très, très expérimentés. Ouais. Donc euh, le site mesdocteurs.com en particulier, ils ont 150 médecins comme ça sur qui ils peuvent compter et sonner assez rapidement. Il y a déjà beaucoup d'internautes qui font confiance au site. qui parlent de 40 à 50 questions qui ouais. sont euh, traitées chaque jour, euh, ce qui est plutôt bon signe. Voilà. et les investisseurs aussi sont confiants puisqu'ils ont injecté 1,2 million d'euros. Ah oui. Et alors pour le consommateur ça coûte combien alors, il y a plusieurs options. Si on veut une réponse dans les 48 heures, donc on n'est pas très pressé, ce n'est pas très urgent, c'est totalement gratuit pour l'instant. Si on veut une réponse dans les 15 minutes, là, c'est 5 euros. Et puis, il y a aussi une version de chat. Donc, on peut avoir une conversation avec le médecin. Et là, c'est à la minute. Ouais. C'est 2 euros par minute. Et ça peut être euh, effectivement très utile. Et, et la consultation va jusqu'où, en fait Est-ce que le médecin peut nous prescrire des médicaments alors, c'est l'objectif du site, évidemment, et de tous les sites qui sont en train de se lancer en France. Pour l'instant, ça n'existe qu'en Angleterre, où on peut vraiment faire de la prescription, donc une vraie consultation mmh. médicale. Pour ça, il faut passer par plusieurs agréments, euh, et notamment par l'ordre des médecins. Mmh. Mais l'ordre des médecins, pour l'instant, euh, réfléchit plutôt à une nouvelle réglementation sur la télémédecine. Parce qu'avec tous ces sites qui arrivent, en fait, il y a une sorte de dérégulation ouais. euh, qui arrive, puisqu'il y a différents services avec. Différents prix pratiqués et c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens. J'ai noté par exemple, si vous allez sur euh, Médavise, et eh bien là c'est totalement gratuit sur, pour l'internaute. C'est vraiment un système euh, B2B finalement, mm -hmm. puisque c'est directement vo votre assurance ou votre mutuelle qui prend en charge la consultation. Donc, ça c'est un modèle économique. Encore différent du premier qu'on a vu sur le ledocteur.fr. Euh, là vraiment c'est euh, totalement gratuit aussi, mais le modèle économique repose sur une mise en relation. Donc ça va permettre aux médecins dans les campagnes tout ça de récupérer des clients parce qu'il y a de la prise de rendez-vous ah oui. par internet. Et puis il y a des choses beaucoup plus chères. <laughs> par exemple, euh, si vous avez euh, voilà, un, un problème assez important médical et que vous voulez avoir un deuxième avis, souvent on vous dit d'aller consulter un deuxième spécialiste. Et bien là il y a un site qui s'appelle Deuxième avis.fr, avis il y a un comité scientifique qui s'engage en fait, à vous donner son avis sur la pathologie que vous avez dans les 7 jours. Mais là, ça coûte 295 Ouf, euros. Ouais. Voilà, donc euh, qui régule ces tarifs Il y a aussi un site pour euh, les dermatologues, pour l'épiderme. On montre euh, sur la photo euh, l'état de sa peau et mmh. automatiquement, on va avoir un dermato à son écoute pendant 7 jours. Donc voilà, il y a plusieurs modèles. Tout ça, bout à bout, finalement, fait que l'ordre des médecins se demande si on n'est pas en train d'ubériser mmh, le les docteurs et euh, voudrait mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ouais, mais, mais en tout cas, on progresse. Un, un tournant et c'est une vraie petite révolution qui se prépare là, Voilà, ça évite euh, hein. bah, d'attendre euh, le rendez-vous chez sûr, le spécialiste pendant des mois. Y a un vrai besoin. Y a un vrai ça évite aussi une clé. consultation inutile chez son généraliste quand c'est juste pas grand-chose. Euh, ouais, c'est vraiment euh, une et vraie puis Après, bien entendu, un, on va un voir un, un médecin, en en os parce que le contact humain dans ce genre de choses. Il n'est pas, pas toujours utile mais c'est ouais. souvent le cas. Et puis Très pour bien. les zones rurales aussi où on a peu d'accès à la médecine. Eh oui, bien sûr. Merci beaucoup Delphine. Merci. Delphine Sabatier, qu'on retrouve chaque jeudi dans zéro en Live Hebdo pour faire le point sur un sujet d'actu, c'est sa chronique Zoom Actu. Mais tout de suite, direction le labo avec Stéphanie Molinier. Bonjour Stéphanie Bonjour Jérôme Stéphanie a le sourire aujourd'hui parce que Stéphanie <laughs> aime les smartphones et oui. elle aime surtout quand ils sont très beaux et qu'ils sortent du, du lot. Et, et qu'ils arrivent, que... qu arrivent à la rédaction. Et qu'ils arrivent à la rédaction aussi. Et ils arrivent toujours très très tôt à la rédaction de Zéro Net. Alors voilà, je l'ai dit, euh, ils sont là, puisqu'il y en a deux. Ben hein bah oui, un les... petit et un grand. Un petit et un grand, les fameux smartphones dévoilés euh, il y a quoi Il y a dix jours maintenant au Mobile World Congress mm -hmm. de Barcelone. Les nouveaux flagships de Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 Edge et on va se faire un petit plaisir. Celui-là, qui est donc le Edge, c'est le côté waouh un peu de la chose, on va se le déballer ensemble. Regardez, Stéphanie est venue avec son gros cutter. Voilà, parce qu'on fait les choses proprement. On va faire les choses proprement. Devant la caméra de Jean-David Duarte. Euh, mesdames et messieurs, instant d'émotion et je vais essayer de ne pas bousiller la boîte. Et de faire ça proprement. <laughs> voilà. Donc, le jour où vous achèterez un Galaxy elle S7 déplie, Edge, crois. elle se déplie comme ça. C'est comme un tiroir Oui, tu, tu, la, tu la connais voilà. mieux que moi. Je crois. Moi voilà, je la découvre tout hein. simplement. Je la découvre. Hop. Voilà, voilà donc l'impression que vous aurez et ce que vous verrez en ouvrant la boîte du Galaxy S7 Edge. Est-ce que je peux poser ça sur la table, Jean-David Donc, le smartphone, bien entendu, dans son magnifique étui de plastique. Ça c'est le moment jouissif que tous les geeks adore le moment où on enlève le plastique de protection et dessous on a tout ce qu'il faut évidemment évidemment euh, qu'est ce que c'est que ça alors on a qu'est ce uh -uh. que c'est que ça chargeur oh, câble euh, dans, dans la petite boîte noire je oui, suppose que ce noire. sont les écouteurs ah, que j'arrive pas c'est pas mais... un petit cadeau de <laughs> non non mais je pensais que c'était un enfin je sais pas ce que c'était d'ailleurs ce sont les écouteurs, s'ils veulent bien bah, sortir. Euh, probablement, parce que ah comme bah, ils oui. sont nulle part, voilà. Ah ouais, de oui. jolis écouteurs. Les écouteurs sont dans une boîte, c'est un Protégés. petit côté luxe comme oui, ça. Oui. Hein. tout à fait. Bon, super. Euh, et, et on ça, a ce, ce petit adaptateur. Cette, ah, -ce cette petite, petite chose. <laughs> alors en fait, c'est euh, un petit peu la, la surprise, on l'a appris au dernier moment au Bayard Congress. Tous les appareils, euh, euh, les nouveaux appareils de Samsung seront livrés avec ce petit adaptateur. Donc en fait, euh, on le branche sur le port micro euh, USB du smartphone ouais. et derrière on peut brancher n'importe quel câble USB, n'importe quel chargeur, c'est ça En fait, euh, non, non, non brancher euh, par exemple, je sais pas, euh, une clé, un disque Ah oui, oui, d'accord, c'est Pour port du, transfert, entrant, en du fait. transfert de données. D'accord, d'accord. Voilà. donc okay. pratique si on veut transférer les données de son ancien téléphone vers... Euh, le Galaxy ah oui, S7. En effet. Bon. Et alors le S7, euh, le S7 classique, alors, on va dire. S7 à quoi ressemble-t-il en vrai, même si on l'a déjà vu et déjà montré sur un la télé. instrument de torture, voilà. Oui. Deuxième déballage du jour. Deuxième déballage. Donc et voilà. Et François qui rate ça. Lui qui adore ça. On a. Ça. La ça petite. Me met dans un, dans un état de. Version. Dans un état du Galaxy. Ben voilà. S7. Il est beau. Et donc en fait, pour terminer avec la partie accessoires livrés avec le smartphone, on a également un chargeur et son câble rapide. Ouais. Euh, c'est des éléments indispensables pour recharger. Euh, on on l'a testé sur le Galaxy S7 Edge, c'est assez rapide. Hein, c'est grâce à la un puce peu de plus Qualcomm. Heure. Ça euh, euh... Non, puisque non. <laughs> il n'y a pas le processeur Qualcomm sur non, les mais... modèles français. C'est seulement sur les modèles américains. Donc Le, en ouais, effet, le processeur, mais je ne sais pas, c'est pas, pas une puce qui s'occupe du chargement. De mémoire, il me semble que c'est Samsung qui, dans ces appareils-là, développe. Ah, sa euh, propre leur, technologie de sa recharge rapide. D'accord. Oui, Parce oui. que dans le S6 c'était Qualcomm. Enfin, bon, c'était bah oui. Euh... Quick Charge. Ah, je sais quick Charge de Qualcomm. Quick Charge, ça ouais, je, je crois ça, ouais. Alors, que ne sais plus. Alors peut-être que c'est Quick Charge. Ah, c'est ce de Qualcomm. Qu nous mais, on euh, a ça à euh... Barcelone. En tout cas. Voilà, il y a différents euh, différents fournisseurs de cette techno. Mais une chose est sûre, c'est embarqué dans le téléphone, mais le chargeur euh, rapide est également nécessaire. Hmm. Donc quand on a les deux. C'est formidable. On, on peut recharger son, son smartphone en ouais. une heure, une heure Donc et demie. Le cutter euh, n'est pas livré très... avec. Hein, oui voilà, euh, voilà on so le précise. Soyons clairs. Bon, bon alors, de là c'est le déballage. On, on a eu la présentation parce que ça c'est un feuilleton épisode hein, pour ce genre de produit. On a eu la présentation à Barcelone, la prise en main. Là c'est le déballage. Euh, Stéphanie, on a déjà le test ou pas Où on est le labo alors, là On n'a pas vraiment euh, de test parce qu'on a reçu l'appareil euh, hier soir. D'accord. Néanmoins. Euh, on a fait une autonomie, la plus importante, l'autonomie mmh. polyvalente. Et euh, c'était... c'est la première autonomie, donc celle-là, généralement, on ne la compte pas, mmh. euh, parce qu'elle peut un peu défavoriser le smartphone. On aime bien vider complètement l'appareil, le, le recharger. Voilà. Mais elle, elle est extrêmement prometteuse mmh. pour le edge. On n'a pas encore essayé on sur le l'instant. On, oh, euh... on va dire que ça pourrait se rapprocher des 12 heures. Et ah ouais, euh, 12 heures, heure, le numéro 1 est à 12 heures. Donc ah ouais. c'est plutôt Là, pas mal. Sérieux. Et puis bien sûr pour le reste, pour les perfs, pour l'affichage, tout ça. ça Alors euh, l'écran, il est euh, assez semblable à ce qu'on peut trouver euh, sur euh, les, les galaxies habituelles. Mmh. C'est un écran super AMOLED euh, avec un mode boost qui fait qu'en mmh. en environ, en environnement très très lumineux, euh, il est capable d'afficher un écran. Mmh. Euh, en... en voilà. Comme, euh, qui, oui, parce qu'on l'a dit, qu le S7, c'est vraiment une, quand même, un S6 boosté, un S6 oui, euh, voilà. amélioré. Donc, je pense qu'on va retrouver pas mal de ce qu'on ce qu avait aimé sur le S6. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est s'il est plus que Samsung. Euh, à apporter euh, vont vraiment euh, faire moucher. Ouais. Bon, bah, écoutez, on verra hein, eh à oui. découvrir euh, dans, les, dans les jours qui viennent sur 0 et puis on en reparlera évidemment sur 0Net TV. On va terminer avec un autre smartphone euh, qui lui aussi est exceptionnel en matière euh, d'autonomie puisque Raphaël, ce smartphone, on n'a pas besoin de le recharger pendant. Alors la promesse, c'est 3 jours. C'est 3 jours et c'est 38 jours en veille. 38 bon, jours en veille. Après, c'est sans l'utiliser. Comme dans le bon vieux temps. quoi. Exactement. Mais 3 jours en utilisation, on va dire, assez classique. Donc, c'est le Asus Zenfone Max. On vient de le recevoir aussi. A priori, c'est un moyen de gamme assez classique. 5,5 pouces. Il vaut 250 euros. Il va mmh. être commercialisé à partir du mois de mars, 250 euros. Sauf qu'il a une batterie de 5000 mAh. Ouais, donc, le secret il est là, c'est tout simplement ouais, une batterie Il n'y a, a pas de secret. Okay. Pour donner un ordre d'idée, le Samsung Galaxy S7, c'est du 3000 mAh et le S7 Edge, c'est du 3006. Ouais. Là, on est à 5000. Donc, évidemment, euh, alors on vient de le recevoir, on a fait une autonomie. Là, on n'a pas fait la polyvalente, on a fait ouais. l'autonomie en surf web. Et alors, qu'est-ce que, on que ça donne On arrive à 25h33 pour être exact. <laughs> pour vous donner une idée, oui, alors, voilà, effectivement, parce que je, que je le montre à, à, à Jérôme. On mais... va le montrer à la caméra de Jean-David. Donc. On est arrivé à 25h33 en surf web. Et alors, ouais. Pour vous donner une idée, il est très bon. Ils sont à 15h, donc 10h de moins. Et le record, donc, qui est le Mate 8, il est à 20h. Donc là, on est déjà à 5h30 de plus que le recordman en surf web. D'accord. Donc alors, il est aussi assez prometteur. Raphaël, euh, quand même, le... le, 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 le petit point noir enfin la contrepartie c'est que bien regardez la tranche euh, il est quand même assez épais ce smartphone ouais. hein, il est, avec il est sa assez épais batterie, il euh... est assez lourd évidemment et oui euh, voilà c'est pas non plus une énorme un énorme poids mais effectivement il est forcément plus lourd que la même moyenne si, bon ça reste raisonnable c'est pas, oui, pas... pas choquant ça non, non, mais y a, y a, ça franchement il n'y a, a rien de choquant c'est un peu plus lourd que les autres mais c'est ouais. pas non plus euh... Et, et il paraît, tu me disais tout à l'heure avant qu'on qu attaque, euh, qu'on démarre 01 Live, qu'on peut recharger un autre smartphone exactement. avec celui-là Exactement, on peut ah brancher ouais un smartphone, il peut faire office de batterie externe tout simplement. Donc <laughs> si on a un autre smartphone ou même un autre appareil avec du USB tout simplement, ou du micro USB. Ah, voilà, on peut recharger un autre appareil. Voilà, si vous en avez marre d'être à court de batterie avec votre smartphone habituel, vous achetez celui-là. Un bon petit câble et puis ça vous fait si, une batterie d'appoint. Exactement. Donc là on vient en 250 de... 250 leur... euros la batterie d'appoint quoi. Oui, mais c'est quand, smart... non, non, quand, quand même un vrai smartphone. Euh, c'est voilà, un oui, milieu de gamme, un Snapdragon 410, 2Go de RAM. Ouais, ça, enfin, ça tient la route. On, tient la route. Le... Donc, on, on va le tester, hein, évidemment. On va le tester sûrement mm. la semaine prochaine. Donc, dans les prochains jours. Donc, mais en, euh... en tout cas, on peut penser que c'est. Euh, la semaine suivante, euh, euh, étant ça dépendra de l'autonomie. Mais dites donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Il va y avoir un embouteillage de l'autonomie. Parce qu'il y a tous les Samsung. Après, il faut en venir à bout. Donc, il va falloir faire celui-là. Ah, mais oui, comment faut... on va le faire au labo Il va nous falloir 15 jours pour avoir les tests de smartphone. Exactement, voilà, ça exactement. prend du temps, il faut décharger tout ça, recharger, faire toutes les autonomies. Ah. Mais bon, a priori, ça va être un... Voilà, c'est quand même un vrai smartphone, il sera peut-être plus ou moins bien, mais c'est quand même un smartphone qui tient la route, ça c'est sûr. Bon, bah, très bien, Il s'appelle le Asus Zenfone, Zenfone Max. Max Et qui, voilà, il arrive en mars euh, en France. Euh, voilà. D'accord. Et le Galaxy, il sort, euh, il sort quand Le 11 mars. Oui, c'est ça. Le 11 mars, pour les chanceux qu'on qu précommandé suffisamment vite, oui. ils le reçoivent trois jours avant. Oh, les petits chances. Oui. Il est déjà en démonstration dans les boutiques. Hein oui, bah. En France, à l'étranger, ouais. etc. Ça me voilà. <laughs> euh, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Stéphanie Molinier, Raphaël Merci. Grabli de la réaction de 01net.com. Euh, dernier tour du côté de la question 01net Orange du jour. Croyez-vous à la réalité augmentée Oui, ça va cartonner et pour tout le monde à 48%. Euh, oui, seulement pour les pros. Ou bien non, à 23% donc, on y croit à mort, à la réalité augmentée. Voilà, c'est la fin de ce 01 Live Hebdo. Comme chaque jeudi, 18h, 18h30, vous le savez. On se retrouvera jeudi prochain, bien entendu. Merci à Jean-David Duhart, Florian Beaufreton, Pierre Thiolin et Jérôme Giliberto. Ils étaient tous là aujourd'hui encore pour s'occuper de la technique de ce live. Euh, merci de nous suivre, y compris en replay. On se retrouve très vite sur Zeronet TV. Bonne soirée, salut à tous.